Comment faire le nœud de cravate Windsor. Alors, on va commencer par relever le col et attacher le premier bouton. Ensuite, je place ma cravate de façon asymétrique pour que le petit pan soit plus court que le grand pan. Une fois ceci fait, je prends mon petit pan et je fais passer le grand pan par-dessus le petit pan. Ensuite, je le fais passer directement dans la boucle et il revient à ce niveau-là. Je le fais retomber, je fais passer le grand pan à ce niveau-là, je récupère le grand pan à ce niveau-là et je le fais passer par-dessus les deux nœuds qui se sont formés. Une fois que ça c'est fait, je fais passer le grand pan à l'intérieur de la boucle, donc entre moi et mon nœud, et ensuite je récupère le grand pan à ce niveau-là pour le faire passer dans ma boucle. Une fois qu'il passe dans ma boucle, je tire sur le grand pan et là vous voyez que mon nœud est quasiment formé. J'essaye de créer une petite goutte pour plus d'élégance, comme ceci, et il ne me reste plus qu'à tirer. C'est un nœud qui est relativement large, donc adapté aux personnes de taille moyenne. Et lorsqu'on fait ce nœud Windsor, il faut vraiment utiliser une chemise.